Salut, c'est Strater! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Et aujourd'hui, une vidéo très spéciale parce que je vais vous montrer deux replays magnifiques, de toute beauté. Et pourquoi de toute beauté? Tout simplement parce qu'il y a deux toutes nouvelles techniques qui vont débarquer les prochains jours dans Clash of Clans que tout le monde va jouer. J'ai nommé pour la première technique... la technique du golem invulnérable. Oui, c'est possible et c'est très intéressant, vous verrez. Et la deuxième technique, je la nomme... je sais pas. Vous trouverez un nom. Voilà, en tout cas, c'est fantafabuleux ce que font ces joueurs-là. Et c'est tout simplement des mecs de mon clan, mais qui ont pris ces techniques ailleurs. Hein. Vous allez voir, ça vaut le détour. Allez, sans plus attendre, les deux fameuses parties. Le premier replay proposé par Efenrir, l'un des deux meilleurs joueurs de mon clan. Donc là, c'est du lourd. Et regardez le village HDV9 maxé totalement par ses défenses, avec des héros 16 quand même et des jolis murs. Donc là, c'est ça, on se dit compliqué, compliqué, mais regardez ce qu'il va faire, Efenrir. C'est une technique qui est géniale puisqu'elle rend les golems invulnérables. Regardez, déploiement classique. Bon, il y avait une petite sorcière dans le coin pour dégager la cabane, certes. Mais regardez, hop, on en envoie les golems, on envoie les sorciers pour déployer, pour cadrer l'attaque. Voilà, les sorcières sont là. Elles dérivent un peu, c'est un peu volontaire, une de chaque côté. La reine qui fait son apparition sur le champ de bataille. Le poison, le saut. On attend un petit peu pour le roi parce qu'on sait qu'on n'aime pas trop les châteaux de clan. Voilà, on déploie le roi. Donc très très classique. Et regardez les deux guérisseuses à droite et à gauche de l'attaque qui vont prendre ses couloirs avec ses golems extérieurs. Bien éloignés des entières. Il a bien lu ce village Efenrir et il va rendre ses golems invulnérables. Alors oui, cette technique des golems invulnérables avec une simple petite guérisseuse, il n'y en a pas besoin de 36 000 puisque les golems ont tellement de points de vie qu'elle aura largement temps de soigner ce golem. Et au pire, il tombera, elle ira ailleurs. Mais il va mettre beaucoup de temps avec une guérisseuse qui rajoute des points de vie sans arrêt à tomber. Et là, bah, les entières du centre sont dégommées. Donc là, les guérisseuses vont vivre jusqu'à la fin de la partie. Et les golems, bien évidemment, cette technique est idéale sur ce village. Mais les guérisseuses vont rencontrer normalement des entières dans vos attaques. Mais au moins, les points de vie énormes qu'auront gagné ces golems permettront qu'ils survivent très très longtemps. Et des golems qui survivent très longtemps, c'est toujours très cool. Notamment s'ils doivent tenir longtemps les extérieurs parce qu'il y a beaucoup de bâtiments ou les entières sont assez éloignées de la première zone d'attaque ou je ne sais pas, où ils sont concentrés comme dans ce cas-là au centre. Et bien, pensez à cette technique des golems invulnérables. C'est génial. Regardez les trois golems qui sont là, tous les sorcières qui sont là. Il n'y a quasiment rien de perdu. C'était magnifique. Inspirez-vous de cette technique. Et je suis en train de penser à quelque chose. On pourrait imaginer facilement un PK qui dérive sur un côté avec une guérisseuse, par exemple. Ou un roi, laisse exprès, qui dériverait de l'autre avec une simple guérisseuse. Si, bien sûr, les entières ne sont pas sur les extérieurs. On pourrait imaginer cela. Voilà des idées. Allez, c'est à vous de jouer. Attendez. La deuxième technique tout de suite, parce qu'elle vaut aussi le détour. Deuxième replay donc proposé par Passycool, l'un des adjoints du clan. Et on va tout de suite mettre pause. Regardez le village, c'est un village maxé à 80%. Il reste encore des canons pas maxés, des entières pas maxés, quelques tours d'archer. Voilà, un beau village quand même, en forme de tortue. Des entières qui restent à maxer, mais c'est pas important, sur une attaque terrestre. Donc ça va être compliqué, les murs sont pas encore totalement maxés. Ouais, ok. Et on va tout de suite s'intéresser à cette fabuleuse composition. Regardez comme c'est bizarre cette compo. Je pense qu'en guerre de clan, vous n'avez pas du tout l'habitude de la voir. Pourquoi? Nous avons tout d'abord des géants, 6 géants, niveau 6, ok. Pourquoi des géants? Tiens, bizarre. Des cochons, ça on a l'habitude de le voir pour faire un 3 étoiles. Des guérisseuses, c'est bizarre toute cette combinaison. Des guérisseuses et des géants, c'est pas l'habitude. Dans le renfort, je vous l'annonce, on aura des... normalement, on aurait dû avoir que des géants. Mais avec Passycool, on a quelques sorciers niveau 6. Pourquoi pas? Mais il faut mettre des géants à la place. On a au niveau des sorts, un sort... 3 sorts de soins. Ouais, avec 24 cochons, c'est normal. On a la rage. Ouais, pour le château de clan, avec les héros dedans. Ok, un classique. Et enfin, un poison. Ok, c'est un petit peu loufoque quand même composition. Des géants? What? Des géants? Mais qu'un newbie? Des géants en guerre de clan? Mais oui, pourquoi des géants en guerre de clan? Eh bien, comparons un petit peu, avant de lancer le replay, les géants au golem. Il faut savoir qu'en gros, le géant tape aussi fort qu'un golem. Un seul géant
Or, l'équivalent en population, c'est 6, donc 6 fois plus fort au niveau des dommages. Au niveau des points de vie, c'est quasiment équivalent. Au niveau de la population, un golem, c'est 6 géants, et 6 géants, c'est à peu près le même nombre de points de vie. Donc, on a envie de dire, ouais, mais il fallait prendre des golems depuis toujours. Mais non, parce que pourquoi? Parce que les géants se pactent, s'agglutinent, se concentrent, et donc tout ce qui est effet de zone dans une base, comme les bombes géantes, comme les tours de sorciers, comme les mortiers, ça leur fait énormément de points de dégâts. Bah oui, sur le golem par exemple, un tir de mortier, c'est 10 points de dégâts, ça le chatouille. Alors que sur 6 géants, eh bien, c'est 6 fois plus de dégâts, c'est comme si ça prenait 60 points de dommage. Donc vous multipliez cela par les bombes géantes, les mortiers, les tours de sorciers, etc., etc., tout ce qui tire en zone, tout ce qui tape en zone, ça devient vite une catastrophe. Et donc, effectivement, le golem est plus fort en tant que tank, les géants, mais on va l'allier aux guérisseuses, parce que vous savez que les guérisseuses, petit rappel là aussi, ça soigne une unité, mais que si cette unité-là, il y a des unités collées à elle, à ce moment-là, ils prennent le soin. Or, justement, les géants, comme ils s'agglutinent, se compactent, sont ensemble, eh bien, ils prennent un effet de soin en zone, donc c'est multiplicateur à chaque fois. C'est bien et pas bien les géants. Avec, surtout avec les guérisseurs, ça devient très intéressant. Et aussi, si on rage un golem, ben, une unité qui tape pas, c'est pas terrible. Ça, c'est sympa, mais sans plus. Alors que si on rage des géants, eux qui tabassent, là ça va faire du dommage. Et en plus, la guérisseuse avec un rage, elle aussi multiplie son soin par, sachez-le d'ailleurs au passage, 2,3. Donc c'est du 230%. Donc c'est énorme en réalité, hein, parce que c'est pas contrairement à ce qui est affiché. Bref, tout ça pour vous dire que la combinaison guérisseuse géant, c'est magique et ça adore les rages. Donc là, on commence à comprendre quel intérêt. C'est-à-dire que notre but, c'est de rentrer en force et violemment avec un rage, avec des géants et des guérisseuses. Surtout qu'en plus, si nos petits héros prennent des dommages, qu'en gros les géants ne font pas totalement leur job, sachez que les guérisseuses vont se retourner sur les héros. Pourquoi ? Parce qu'un géant, ça a 1100 points de vie, ça a moins de points de vie qu'un héros assez gros niveau. Alors que si on avait mis nos guérisseuses, comme vous avez vu la première partie là, sur le golem, elle va rester scotchée sur le golem parce que le golem a plus de points de vie. Alors qu'avec les géants, eh bien, la guérisseuse, elle, si le héros est touché, elle va aller sur le héros, donc ça sauve les héros. Donc encore une combinaison encore plus magique, ce guérisseuse, rage, héros, géant, c'est fabuleux. C'est fabuleux et c'est à faire, et regardez tout de suite le replay. Allez, on est parti donc pour ce replay commenté. On va attaquer face à la reine, hein, la gauloise qui aime vos cochons, les bouffer par 4. Donc il faut l'annihiler, donc c'est normal que Passicool attaque de ce côté-là. Il cadre l'attaque avec des sorciers à droite et à gauche. À droite, ça va être bien cadré parce qu'il va dégager la réserve et le camp. Par contre, à gauche, il reste beaucoup de bâtiments. J'ai peur que ça dérive. Attention, le château de clan qui s'enclenche. Il faut vite lancer le poison parce que ça annihile un petit peu les dommages. Attention, les géants qui se trouvent face au dragon. Le dragon qui tape en zone, ça pourrait être un énorme problème face à cela. Ou le dragon qui tombe pas. Là, heureusement, l'antière est tombée rapidement parce qu'elle était en train de shooter les guérisseuses. Les cochons qui sont lancés sur le côté gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a la deuxième antière la plus proche de l'attaque. Donc c'est très bien joué pour protéger un maximum ces guérisseuses. Voilà, les autres antières sont à l'opposé, sont trop loin. Par contre, le king qui a complètement dérivé avec beaucoup de sorciers. Donc là, on perd quasiment 30 en populace, complètement pas dans le combat parce qu'ils sont en train de raser des bâtiments inutiles, hein, pas des tours comme il le faudrait pour un 3 étoiles. Voilà la reine qui s'est mise sur l'hôtel de ville. Pendant ce temps, il y a quelques géants qui ont volé face aux trappes, hein. Les trappes d'ailleurs sont aussi à calculer parce que ça pose énormément de problèmes aux géants, vous le savez, hein. Alors que les golems, ils s'en foutent. Là aussi, illustration de pourquoi le golem reste le meilleur tank. Allez, le dernier soin qui est utilisé, les soins, je rappelle aussi, qui sont utilisés avant l'arrivée des cochons parce qu'il faut maintenir le soin pour sauver un maximum de cochons, c'est le but. Et d'ailleurs, au passage, les guérisseuses qui se sont mises sur la reine, hein, qui ont vu que la reine était shootée, tout de suite, hop, soin. Et voilà comment on sauve une reine, comment on ne perd pas une reine dans un assaut. Et c'est très important de la maintenir en vie. Donc, encore l'intérêt de cette combinaison magique entre les guérisseuses, les géants, le rage, les deux héros. Véritablement, c'est à copier. J'espère que vous allez vous inspirer de cette technique, de cette combinaison magique, véritablement. Regardez comme Passicool a écrasé son adversaire, véritablement. Voilà, j'espère que vous avez aimé, que ça va vous faire réfléchir et que ça va vous donner envie de chercher à maîtriser ces techniques.
La vidéo est terminée. Je vous ai montré ces deux fabuleux steaks que vous allez copier, j'en suis sûr. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À faire parler de la vidéo à votre clan pour qu'il s'améliore, bande de larves. Je plaisante, hein, les gars. Voilà. Et pour la fin, au fait, pour finir...